Et salut YouTube, salut les farmeurs de pièces d'or, comment allez-vous? Croque-Péon pour cette nouvelle vidéo concernant du Gold Farm. Ça fait plus d'un mois que je suis en train de vendre des objets, notamment de l'extension The War Within, mais pas que. Vous verrez dans le top 10 de cette vidéo les meilleurs objets que j'ai vendus, ça peut vous aider. Et sachant que j'ai vendu plus de 2 660 000 pièces d'or au niveau de Warcraft, on va se plonger tout de suite dans le numéro 10. Alors, le Griffer a été une bonne surprise puisque actuellement, lors de mes vérifications, il vaut entre 16 et 50 pièces d'or et j'ai généré 58 000 pièces d'or à l'aide simplement des trois qualités du Griffer. Donc, les points de connaissance de minage, vous verrez tout à l'heure le template, mais il vous faut le minage en profession The War Within. Vous n'avez pas forcément besoin d'accessoires, mais ce que je vous recommande, c'est de regarder un peu partout, d'utiliser les flasques dont je parlais dans la précédente vidéo de minage pour les premiers pas pour les débutants. Voici le template, 40 de pléthore de minerais est conseillé. Alors concernant la hache courte en feuilles sauvages, 83 000 pièces d'or au niveau de la vente de cette arme. Il s'agit d'une arme du rêve d'Emeraude, de Dragonflight, donc de l'extension qui vient de se terminer. Vous pouvez la trouver sur n'importe quel serveur si vous voulez l'apparence que vous voyez ici, avec mon pandarène qui se balade tranquillement à dos de dirigeable, entre 20 000 et 400 000 pièces d'or tout de même. Il y a des serveurs qui la vendent très très cher, donc j'en ai vendu qu'une. En revanche, si vous voulez avoir un aperçu de ce que j'ai vendu à côté, il y a également l'arc long en feuilles sauvages, j'en ai vendu un à 16 000 pièces d'or, et les chausses de druide automnale, que j'ai également vendu 14 000 pièces d'or. Alors ce sont des farms que vous pouvez faire de temps en temps, notamment si vous avez besoin de récupérer du draconium ou du minerai au niveau de Dragonflight, et en tout cas il m'a été très profitable. Revenons un petit peu à Vanilla avec la nostalgie du minerai de thorium, qui s'appelle thorium tout simplement. 101 000 pièces d'or de vente, sachant que le thorium vaut actuellement 9 pièces d'or, simplement l'unité. Mais en tout cas, ça, moi j'en ai vendu beaucoup plus que ça. C'est le farm de base hein, pour les cristaux des arcanes. C'est un objet qui vaut cher également, qui se trouve notamment au berceau de l'hiver, mais vous pouvez vous rendre dans la zone de N'Goro pour farmer, parce que ce type de minerai, il réapparaît très très vite. Une fois que vous êtes passé, vous risquez avec un simple tour de voir carrément le minerai repop devant vous. Donc c'est conseillé de le faire, semble-t-il, aujourd'hui. Vous avez plusieurs lieux, vous pouvez choisir des lieux de farm autres que ces deux-là. Et il vous suffit d'avoir minage et probablement, alors je pense que la pioche est nécessaire dans des vieilles zones comme celle-ci. Ça doit être assez utile. Est-ce que je vais le refarmer? Oui, je m'y suis remis gentiment. Donc pourquoi pas vous? Vous avez un hôtel des ventes qui est situé juste d'ailleurs, si vous êtes à Berceau de l'Hiver, dans cette petite ville. Donc vous avez tout le confort présent déjà. Voilà, voici l'endroit de farm préféré. Au nord du Berceau de l'Hiver, vous avez l'endroit où vous avez des tigres. Vous voyez ici que vous avez un minerai riche. Ils contiennent d'ailleurs davantage de cristaux des arcanes que les autres. Ils sont assez rapides à farmer. Alors la lance d'Arator, là un vrai plaisir, qui est située d'ailleurs au niveau de Sainte-Chute, la nouvelle zone de The War Within. Donc vous pouvez y aller, sachant que j'ai pu empocher 109 000 pièces d'or au niveau des lances d'Arator que j'ai vendues. Voici d'ailleurs le template que j'utilise, et sachant que actuellement, suivant la qualité de la lance que vous vendez, c'est entre 34 et 223 pièces d'or. Attention, ce n'est pas un stuff, c'est bien une plante. Vous aurez besoin de l'herboristerie pour pouvoir la vendre, mais vous avez souvent les points de talent qui sont mis avec les plantes de démarrage. Hein. Moi, ça a été mon cas. J'ai mis pas mal de points dans les champifleurs. Vous pouvez faire un perso spécialiste, notamment avec des persos herboristes que vous ne jouez pas actuellement, qui sont 70. Vous allez les leveler très très vite, ça va vous mettre plein de points d'expérience. Alors concernant le ou la champifleur, cette plante est présente un peu de partout hein, au niveau de The War Within. C'est la plus facile à vendre, 128 000 pièces d'or de vente de mon côté.
Par pièce, vous pouvez en vendre entre 17 et 22 pièces d'or la plante, donc vous avez besoin d'être herboriste en comparaison par rapport aux autres plantes de l'extension, puisque celle-ci vous permet de crafter des potions de mana, des potions de soins, vous pouvez même faire des poêlées de champignons avec votre cuisine. Le posapa, qui est une autre plante, je l'ai vendu 43 000 pièces d'or. Les résidus de lime tellurique obtenus grâce à la perception, 42 000 pièces d'or. Floraison bénie, 26 000. Orbinide 22 000 et enfin Lotus de Néant 8 000. Donc avec les 128 000 du Champifleur, on est quand même sur un bon matelas bien confortable. Concernant le bismuth, 157 000 pièces d'or de vente par rapport à ce minerai, qui lui aussi est facile à farmer et à vendre, vous en tirez 26 à 160 pièces d'or. Lors de ma vérification actuellement à l'HV par pièce, suivant la qualité que vous farmez, très très bien comme combo pour vous diversifier, notamment avec l'ingénierie, vous avez besoin d'un personnage minage. Concernant la pierre du néant, 174 000 pièces d'or de vente, elle vaut actuellement autour de 540 pièces d'or l'unité, mais ça remonte. La poudrière profanée est un must-have. Vous pouvez la farmer notamment au niveau des gouffres, avec notamment le sujet Bran pour cette saison 1 de The War Within. Vous pouvez également l'avoir dans toutes sortes de coffres et de sacoches, et au niveau des cires, vous pouvez d'ailleurs en obtenir 3 d'un coup en finissant le niveau 8 d'un gouffre. C'est une compo The War Within, et vous pouvez améliorer votre bibelot pour avoir notamment les reliques qui tombent lorsque vous minez et vous faites de l'herboristerie. Très utile pour le travail du cuir, enchantement et forge. Donc 314 000 pièces d'or par rapport à la poudrière. Le requin misère Kaïti, quel bonheur! Alors là, on est vraiment dans quelque chose de fun à farmer grâce à la pêche. Vous voyez cette illustration de Sainte-Chute, c'est à peu près autour de cet édifice que vous pouvez farmer le requin. Dans des bancs de poissons qui s'appellent du sang dans l'eau. C'est un farm agréable mais compétitif. Vous aurez souvent des gens qui vont pêcher dans vos bancs de poissons identifiés. Il faut que vous soyez avec une compétence pêche au minimum, je vous recommande 25, même si ça a beaucoup changé depuis la bêta. Les royaumes, en fait, peu peuplés, je vous les recommande. Tôt le matin, si vous travaillez, bah, c'est mieux de faire votre pêche tranquillement avant de partir. Actuellement, le poisson vaut 663 pièces d'or, si on peut appeler ça. Un poisson, et vous avez les tournois de pêche qui apparaissent tous les samedis qui vont vous spécialiser dans plus ou moins des poissons suivant le jour en question, sachant que vous avez une monture qui s'appelle K à récupérer. Alors la guillotine de Varud, c'est très simple, en voici deux au niveau de mon troll. 484 000 gold de générer par rapport à la vente d'une seule épée. Que j'avais récupéré lors de Shadowlands. Je l'avais acheté à l'hôtel des ventes à 100 000 pièces d'or. Actuellement, ce type d'objet se vend, enfin en tout cas est disponible à l'HV entre 350 000 et 990 000 pièces d'or, sachant que bah, c'est un traditionnel pour moi, j'en vends une en début d'extension. Je ne pensais pas que ça serait la meilleure vente que j'aurai au niveau de cette extension The War Within. C'est très difficile, j'ai presque envie de ne pas vous recommander de le farmer actuellement de façon hardcore, privilégier bah, tout simplement l'autre top qu'on a vu, mais force est de constater qu'au niveau des résultats, eh bien, c'est une arme Shadowlands qui vaut très très cher. Pour les notifications, vous avez également parmi les ventes que j'ai fait les mires étoiles qui sont des poissons. J'ai vendu 3 000 gold de mire étoile. En minerai, la kyrite, 43 000 pièces d'or. Le feu agité de Dragonflight, 40 000. Le tellurium qui est présent au niveau des insignes distordus dans le temps, 39 000 pièces d'or. La sévérévite qui est présente à Dragonflight, 19 000 pièces d'or. Barre d'élémentium, 14 000. Le draconium, 12 000. Si je bascule cette fois-ci sur la couture, donc 57 000 gold vendus en tout, dont la tisset off, hein, 40 000 gold, les rouleaux 11 000, le chapeau de jardinage, j'en ai vendu quelques-uns 6 000, les cuisiniers planches de bouffon 16 000, ragoût à tout 8 000, le filet frais 4 000, les boulettes aigre douce 2 000 seulement, et les œufs en poudre gastronomique qui sont obtenus à l'aide des œufs obtenus avec les cages
1000 pièces d'or seulement. D'ailleurs, avec lesquelles j'ai obtenu pour les œufs de tisseuse fondue 19 000 gold, ovoïdes de remuant 9 000, les œufs de la veille 8 000 et les autres feux de sombre lune 39 000. Voilà, j'espère que cette vidéo de top 10 vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, bon appétit. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, ciao!